C'est contradictoire ce que tu dis. Comment tu work alors que tu n'as pas les cas? Donc, regardez, je vais vous dire que il y a beaucoup de personnes, quand vous arrivez dans les cours où vous êtes là-bas, on ne vous dit pas, vous tombez sur les mauvaises personnes. Donc, on vous renseigne mal, on vous informe mal. Ce qui fait que tu peux rester pendant des années. Tu ne work pas, hein? Tu ne cherches même pas à work parce que tu crois que sans cas, tu ne peux pas work. Il y a beaucoup de boulot que tu peux faire sans avoir les cas. Il y a des pays où tu peux work dans le champ. Il y a des pays où tu peux coiffer. Il y a des pays où tu peux faire babysitting, le nettoyage. En tout cas, ceux qui suivent ceci, vous avez certains boulots qu'on peut faire sans cas. Il faut leur dire ici en bas. Un work, ça veut dire que tu as vu le besoin de quelqu'un, tu es venu combler son besoin. Et il y a même parfois nos frères africains, pas forcément cam, qui vont vous trouver du boulot. Tu vas arriver comme ça, tu vas trouver un Nigérien. Si tu es de bonne foi, bien sûr, il va te mettre dans son réseau. Il y a des gens de beaucoup de nationalités, les Pakistanais, les Afghanistan, tous ces trucs-là. Il dit que les gens là sont là-bas, ils s'aident entre eux. Maintenant, si tu es Camerounais, commence par dire que les Camerounais ne s'aident pas entre eux. Enlève ça de ta tête. Parce que tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois. Donc, il y a des work que tu peux do. Pour les femmes, c'est plus la coiffure. Maquillage, ongles, make-up, des choses comme ça là. Et il y a beaucoup de work que tu peux apprendre en ligne. Donc, peut-être tu ne connaissais pas avant de quitter le cours. Va en ligne, tu apprends. Apprends à mettre les wigs là. Il y a même les hommes qui coiffent. Je me suis fait coiffer à Paris par un monsieur, un gars Batoufa. Les filles s'alignaient pour que, et il n'avait pas de cas. Parce qu'il m'assoit sur sa chaise et commence à lui parler. Il commence à me dire qu'il n'a pas de cas. Il me voit, par tête, c'est 150 euros. Donc, par jour, le gars là se fait au moins minimum 1000 euros. 1500 euros. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas, on n'a pas ouvert votre esprit à ça. Vous êtes tombé en bain sur les gens qui ne vous aiment pas. Les gens qui ont échoué et qui ne vous aiment pas ne peuvent pas vous conseiller. Mais ça se fait. Je connais ce qu'elle vous dit. J'ai une de mes petites qui m'a trouvé en Angleterre en 2000, elle est venue en 2016. 2019, la petite me dit qu'elle a économisé 25 000 pounds. Elle avait 26 ans à l'époque. Elle arrivait avec un visa étudiant. Elle a fait un an, elle est tombée dans le champ. Tout le work qu'elle faisait, elle mettait seulement que l'argent de côté. Parce que vous voulez partir vivre dans les maisons de 700 euros. Pendant que les gens vivent dans les maisons, ils portent 200 euros, 300 euros. Ils ont une petite chambre quelque part. Il y a l'intelligence derrière. En tout cas, ce n'est pas parce que vous croyez pas que les gens n'ont pas fait. De toutes les façons, ils cherchent pas le buzz. Moi, ils vous disent. Si tu écoutes ceci et que tu as l'esprit ouvert, commence à considérer l'option. Tu vas voir. En un an, tu vas voir, tu vas mettre l'argent de côté.